Ancrée dans les murs, la maladie rôde toujours. Elle tue jeunes et vieux, évêques et manants, belles dames à rabrasser collées, sournoises, rapides, sans distinction. Les gens ont besoin d'air au-delà de cet air fétide. Prenons la plume et tentons une diversion pour combattre le funeste mal. Écrivons, écrivons le Décaméron, coquin, mais pas trop. Des histoires légères pour fuir la mélancolie. Ma chère Cosette, les femmes ne comprennent décidément rien aux hommes. Et c'est mieux ainsi, sinon on serait faites nonne. Veux-tu cesser de me dire, ingrate? Tu es bien trop jeune pour être dégoûtée des hommes, enfin. Oh, vous savez. Ah, allez, cessons de papoter. Rentrons. Ce port de tête majestueuse, cette tête hautaine, cette gorge. Je n'en peux plus. L'amour me prend aux tripes. Ce sentiment va me tuer. Les soirs suivants, Arnoul fait aux abois. Il épie, il regarde comment le roi s'y prend pour se rendre dans la chambre de la reine. Enveloppé d'un grand manteau, le souverain tient une lanterne dans la main et un bâton dans l'autre. Il s'approche de la chambre de la reine et il frappe à la porte. On lui ouvre. Une servante lui prend la lanterne et la lui souffle. Et puis il rentre dans l'obscurité. Et sans un mot. Minutes. Puis 30 minutes. Oh grand Dieu! Arnoul fait tout.
et part sans dire un mot. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a une autre silhouette noire qui s'avance. Mais bon, donnons le change pour éviter le scandale. Femme, ne vous semblais-je pas homme à être ici tantôt et y revenir une autre fois? Oui, monseigneur, oui! Fais attention, hein! À ce rythme-là, vous pourriez trépasser. Mamie, vous avez raison. Il me plaît de suivre votre conseil, et pour une fois, je m'en retourne. Oh, bah non! Cela ne se passera pas comme ça! Je vais trouver le chenapan, je vais le faire brûler sur la place publique, écartelé par les chevaux! Non mieux, je le ferai moisir dans mes geôles. Mais bon, calmons-nous! Un malin, malin et demi! Celui qui a fait ça ne peut pas rester impuni. Le roi se rend à Ballest au dortoir. Un à un, il va examiner les corps des dormeurs. Rapidement, il en repère un. Le pouls, la mine. Ça trahit les folies concédées dans la chambre de la reine. Pour éviter le scandale, le roi, d'un coup de ciseau, lui coupe une mèche derrière l'oreille. Et demain matin, il le démasquera, ni vu ni connu. Et tout sera rentré dans l'ordre quand il aura su qui c'était le coupable. Mais Arnulf, il est bien malin. Qu'on fasse venir toute ma maisonnée. Allez, mettez-vous sur un rang. Ah, il me semble que tu as un drôle de trou derrière ta tête. Quoi? Encore un trou? Un autre? Oh, celui qui a fait ça, bien qu'il soit de basse condition et bien malin, eh bien, qu'il ne fasse plus jamais. Allez, retournez à vos occupations. Cependant, beaucoup d'hommes s'y laissaient prendre. Il y
Lisette, tu sais, tu sais que je t'ai aimée dans notre jeunesse. Ah, je ne le sais que trop. Oh, mais ne te fâche point, nous sommes restés bons amis. Oh, je ne le sais que trop. Lisette, je te parle comme à une amie. Je suis éperdument amoureux. Oh non, tu ne vas pas recommencer. Non, pas de toi, tu es bête. D'une petite que je viens de rencontrer en allant chercher de l'eau. Eh bien, calme-toi, mon vieux Nello. Mais... reviens sur terre, tu souffles comme un phoque. Mais sûr que si tu m'aides, je peux y arriver. Ah ouais, et oui. Comment ça? N'en parle à personne. Il y a là-bas une petite plus jolie qu'une fée. Et qui est tellement folle de moi, tu en serais renversée. Et je m'en suis pas aperçu tout à l'heure en allant chercher de l'eau. Et doucement. C'est peut-être la femme de Felipe. Ah oui, c'est la femme de Felipe. Mais dans une affaire pareille, je fais la nique au bon Dieu. Alors, à Felipe. Tu m'as l'air bien pincé. Bon. Attends là, je vais voir ce que je peux faire. Lisette va trouver Felipe et son amoureuse. Tout de go, elle explique aux deux jeunes gens la nouvelle folie de Nello et le rôle qu'ils ont à tenir pour se divertir de la nouvelle passion du vieux compère. Nello, Nello, que je te le dise tout de suite, tu l'as fait fondre comme neige au soleil. Tu lui chantes de ta belle voix une petite chanson d'amour et elle te plonge dans la lucarne dans tes bras. Tu crois? Je savais oui. Que j'avais emballé. Oui, oui. Tu vois, je me connais bien, moi. Il ne me faut pas 10 jours pour rassembler quelques bépins. Je ne suis pas comme ces genoux qui vont corner partout leurs exploits. Elle s'en apercevra mieux tout à l'heure quand je la tiendrai dans mes bras. Oui, oui, mais allez, allez. N'oublie pas de lui pousser la chansonnette, hein. Grain d'encens. Mets-le autour de ton cou.
Je sens venir en moi comme une puissance. Va, laisse-moi maintenant, cette fois. Elle ne pourra plus reculer. Écoute, vas-y, mais n'oublie pas de lui caresser la joue. Nous sommes jolis idiots, je pense aussi que nul est ignorique pour moi, rose. Ta soeur, ta soeur, ta soeur, tu connais Nello, ton mari. Toujours prêt à faire des sottises. Oh, il est jamais au reste, le bougre. Mais t'as-t-il causé du tort? À moi, un peu. Mais surtout à toi. À moi? Mais ne crains pas la mort. Oh. Raconte. Mais imagine-toi qu'il s'est amouraché d'une jeune femme. Oh. Elle est assez dégoûtante pour toujours s'enfermer avec lui et... Mais c'est mieux que tu viennes voir par toi-même. Oh, pour sûr que je vais venir. Mais donne-moi un bâton. Attends, je crois pas que je me laisse faire quand même, hein. Laisse-moi te prendre un baiser. Tu es trop pressée, mon Nello. Laisse mes yeux te regarder à ma guise. Laisse mes yeux se rassasier de ton doux visage. Ah, chien répugnant. Tu la joues à tour. Mais mamie, méprise, j'ai glissé. Hé, t'es fou. Tu n'as pas assez de mes bontés. Ils te font compter, Florette, chez tous les voisins. Sans pitié. Tu ne me connais pas, misérable. Oh, si, je te connais, ma Tessa. Oui, mais regarde-toi, dégoûtant personne. Chez lui. Depuis ce jour, il file droit. Attention, marivolage, il en coûte beaucoup de se faire monter à califourchon. À moindre renommée. Mais cette renommée,
n'empêche pas la jolie donzelle d'être émue par le bougre. Et le bougre d'être émue par la jolie donzelle. Ah, Lisette, mettez-vous là que j'entende votre confession. Bonjour à vous, frère Bertholon. Je viens, comme à l'accoutumée, me délester de tous mes vilains péchés. Vilain, vilain. Vous y allez un peu fort. Même vos pensées ne semblent pas embêtées par quelconque impureté. Tout est grâce en vous. Je sais que ma beauté pourrait faire pâlir tous les saints du paradis. Mais nous sommes sur terre et je dois rester pure et faire pénitence. Justement, en parlant de paradis, si j'osais, je vous raconterai ce qui m'est arrivé hier soir. Mais osez, je garderai, vous avez été mon confident, je serai la vôtre. C'est que l'affaire vous concerne et je ne voudrais pas de fâcherie entre nous. Mais allez, osez, osez, je garderai le secret comme vous le faites pour moi. Vous savez que nous, les moines, parlons parfois avec les êtres du paradis. Ah bon ? Oui, nous parlons de choses et d'autres. L'autre jour, nous avons parlé de la beauté. De la beauté ? Oui, de la beauté des femmes, en particulier de la vôtre. J'ai dit aux êtres d'en haut que votre beauté ne me faisait rien. Ah bon ? Et puis, cette nuit, dans mon sommeil, j'ai été frappé par un coup de bâton. Puis un deuxième. Et un troisième. Un coup de bâton ? Et un homme frappé et hurlé. Quoi ? Elle est pas belle, la Lisette ? Oui. À demi-mort, je me suis mis à genoux et j'ai supplié pour qu'il arrête. Dans un dernier souffle, avant de m'évanouir, j'ai eu le courage de dire « Mais qui êtes-vous » Et une voix grave m'a répondu « Oh, je suis l'ange Gabriel !» L'ange Gabriel ? Oui, l'ange Gabriel, là, devant moi, comme je vous vois. Comme je vous vois ? Comme il vous voit ? Comme vous le voyez ? Oui. Et il parlait de moi ? C'est justement là que vous devez me promettre de ne parler à personne de ce que je vais vous raconter. À personne ? Sinon, les foudres de l'enfer s'abattraient sur moi et sur vous. Les foudres de l'enfer ? À personne ! À personne. Je suis l'ange Gabriel. Oh, non ! Mais non, pas moi. Lui, l'homme qui me battait, il a dit « Je suis l'ange Gabriel. » Et j'ai vu la beauté de cette Lisette. Et je ne laisserai personne médire à son sujet. Frère Bertholot, entends ma requête pour te faire pardonner. Et ne faille pas dans ta tâche, sinon tu seras brûlé vif dans les plus terribles tourments. Brûlé vif, mon Dieu. Ma vie dépend de vous, ma chère Lisette. Me soutiendrez-vous ? Oui. Non, ça dépend. Je suis éperdument amoureux de cette Lisette. Non, pas moi. Oui. Je suis éperdument amoureux de cette Lisette. Mais un être de paradis ne peut rencontrer une mortelle, si belle soit-elle. Me soutiendrez-vous ? Vous avez besoin de mon soutien ? Non, l'ange Gabriel a besoin de... Enfin, oui, il a besoin de vous. Et comment ? Pour la première fois dans l'histoire, un envoyé du ciel va venir sur Terre pour vous visiter. Me rendre visite ? Ah oui, ne seriez-vous pas prête à recevoir un saint chez vous ? Mais oui, bien sûr ! Mais la visite ne sera pas commode. L'ange Gabriel viendra d'abord me visiter. Ah bon ? Oui, il ne peut pas venir sur Terre sous forme angélique. Il retirera l'âme de mon corps pour la mettre en paradis le temps de sa visite. Et il prendra place
dans mon corps de moine. Seul un signe nous différenciera. Il ne pourra pas se départir totalement de ses grandes ailes blanches. De ses grandes ailes blanches. Ah oui, allez vous préparer. Il viendra bien sûr de nuit, dans un endroit protégé du regard du monde. Dans votre chambre. Dans ma chambre. Oh oui, oui. Mon frère Bertolo, je vous laisse, hein, je vais faire de l'ordre là. Mais avouons-le tout de même, Lisette, la jolie donzelle, regretta quand même un petit peu le commerce céleste. Mais les femmes, quelle coquine!
mort de leur ancien jardinier, les moniales ont eu la surprise d'accueillir un beau jeune homme. Svelte et vigoureux, mais qui a un défaut. Il est muet. Pensez-vous que ce qui devait arriver arriva? Nous allons voir. Si j'étais sûre que tu gardes le secret, je te dirais mes pensées. Parle avec confiance. Pour sûr, je ne le répéterai à personne. Notre vie démoniale est bien sévère. Et j'ai entendu des femmes dire que rien n'est plus agréable que les caresses que nous font les hommes. Mais veux-tu te taire? Ou plutôt non. Je me suis dit que j'en tâterais bien avec ce muet pour voir si c'était vrai. Mais es-tu folle? Il a l'air gentil. Et il voudrait nous dénoncer qu'il ne pourrait pas. Que dis-tu? Nous avons promis notre virginité au bon Dieu. Et même un petit coup, rien qu'un petit coup, serait péché. Est-ce que l'amour est péché? Alors faire l'amour ne devrait pas l'être beaucoup. Mais si nous tomberons enceintes? Oh, cesse donc de penser au malheur avant qu'il n'arrive. Allez! Les démoniales se rapprochent du jardinier et le prennent par le bras. Elles lui murmurent des caresses à l'oreille, tout en l'attirant dans une petite cahute. L'une fait le guet, pendant que l'autre passe à l'attaque. À quelques propos scabreux ou indignes d'un public aussi choisi que le vôtre. Mais force est de dire que les autres moniales ont assez tôt repéré ce manège et veulent les jours suivants bénéficier des mêmes services. Seule l'abbesse du couvent n'a pas remarqué ce manège. Tiens, la voilà qui arrive. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles. Facile à dire. Et alors, pourquoi nous mettre devant les yeux un objet de tentation? Et muet de surcroît. Je crois que je vais aller lui faire un brin de conversation. Ma sœur, on m'a dit que un coq suffisait à satisfaire 10 poules. Mais 10 hommes n'arrivent point à satisfaire une seule femme. Et c'est bien vrai. Je refuse d'accorder mes faveurs à toutes vos doniales et à vous maintenant. Je n'en peux plus. Grand Dieu, je te croyais muet. Oui, mais pas de naissance. Seulement le jour où je serai entré au sein de votre couvent, pour éviter que vous ne caquetiez des heures avec moi. Mais
ce n'est pas du côté de la langue que ça pose un problème. Bientôt, je ne pourrai plus marcher. Je vais perdre mes cheveux, mes dents et ma vie. Je veux qu'on me laisse en paix. L'abbesse, restée seule, réfléchit. Et convoque ses moniales au son de la clochette. Mes chères filles, la nature nous a faites femmes avant que d'être moniales. Même si le péché nous est étranger, je sais que les besoins de la chair peuvent nous mettre à mal. Je sais que nous sommes faibles. Je sais que certaines d'entre vous ont péché. Peut-être toutes. Peut-être moi également. Par contre, il est inadmissible. Il est inadmissible que le seul coq du poulailler soit mis à mal par l'ensemble de la basse-cour. Il n'a plus que la peau et les os. Et pour peu, nous allons le faire mourir. Allons, allons discuter pour organiser un tournus. La vie du couvent alla son train, avec son lot d'événements. Heureux, malheureux, et de naissance. La chair est faible, et l'esprit entre parfois à son service. Ainsi va la vie. Salabetto. C'est un marchand de laine et de drap. Salabette, de passage en nos contrées, se délaisse de sa marchandise à la souste locale, une grange où, pour quelques deniers, un garde les préserve des vols pour la nuit. Il se rend ensuite à la taverne, l'esprit libre, prêt à délier sa bourse pour boire quelques bons pichets. Mais c'est sans compter sur la venue de Dame Cunégonde qu'un guidame avait averti de l'arrivée du riche marchand. Aubergiste, par la grâce de Dieu, qu'on me serve du cuit d'une fois et du meilleur. Ah, messire, que nous vaut l'honneur de la présence d'un homme illustre. Mais oui, c'est de vous dont je parle. N'êtes-vous pas messire le marchand qui est arrivé après l'Angélus ? De fait, si, madame, mais pourquoi je serais un homme illustre ? Vous portez bien avec vous quelques marchandises venues de contrées lointaines ? Oui, j'ai bien avec moi un peu de laine de cornouaille et des draps teints par les meilleurs teinturiers, hein ? Je me suis laissé dire que vous aviez quelques onces de rouge carmin digne de la chasuble d'un cardinal. Oui, en effet, j'ai quelques draps dont le rouge est du plus bel effet. Eh bien voilà, j'avais raison. Vous êtes un homme à gras d'église, et donc un homme d'importance, et donc homme illustre. Allez, tenez, buvez à votre réussite. Oui, vous avez raison, buvons.
sa femme et des siens se retrouve dans le lit de Dame Cunégonde. Le réveil sera difficile. Oh, pardon, ma tête, mon Dieu! Où suis-je? Oh, mais que faites-vous là? Dans le plus simple appareil! Ne me dites pas que nous avons fait la chose! Mais plutôt 10 fois qu'une! Quel homme, une cavale fougueuse! Oh mon Dieu, si ma femme l'apprend, je suis mort une fois! Mon grand fou, il serait pour me remettre le couvert! Ne croyez-vous pas que nous avons avec un peu trop d'empressement? Oh non! Calmez-vous, belle dame. Je ne sais pas que faire pour lui sauver la vie. Je l'aime tendrement et mourrais s'il lui arrivait malheur. Je ne sais pas où trouver cette somme. C'est comme si je le condamnais moi-même. Je vous en prie, aidez-moi. Après ce que nous avons vécu cette nuit, nous sommes unis pour la vie. Écoutez, voici 500 florins. Mais le devoir m'appelle à Bruges. Oublions cette idée de vivre ensemble. Prenez vos écus et n'en parlons plus. Son mal de tête, Salabette ne peut s'enlever de l'esprit qu'il a été bien imprudent et qu'il s'est fait gruger. Sa gueule de bois devient gueule d'amertume. Mais tout vient à temps à celui qui sait attendre. Voilà ce qu'il fit. Passé après plusieurs mois, Salabette revient en terre de Dame Cunégonde. Comme la première fois, il se déleste de ses marchandises à la souste du coin. Il a amené 5 filles et clame à qui veut l'entendre que dans quelques jours, 15 autres fûts de la meilleure huile et 5 fûts plus petits, mais de précieux contenus vont suivre. Comme la première fois, Dame Cunégonde ne tarde pas à être avertie. L'appât des deniers la reprend et elle songe à multiplier ses gains sur le dos de l'imbécile qu'elle a déjà grugé une première fois. Évidemment, Salabette se trouve déjà à la taverne. Mon ami, vous voici revenu. Quelle merveilleuse nouvelle! Sachez que je vous dois tout. Mon frère a eu la vie sauve. Mais je vous en prie, belle dame, nous sommes quittes. Que nenni! Sachez que depuis ce fameux soir, je ne dors plus. Mon corps se languit de vous. Vous ne croyez pas que nous ne sommes plus d'âge à n'écouter que la voix de nos corps? Oui, mon corps se languit de vous, et mon esprit aussi. J'ai appris que vous êtes venu avec belles marchandises. Venez chez moi ce soir, nous ferons grande chère. Et comme signe de mon amitié et de ma sincérité, voici une bourse avec les 500 florins que vous m'aviez donnés. Je suis venue à meilleure fortune et ne veux pas que des histoires d'argent tâchent notre relation. Merci, gentille dame. Je reconnais bien là votre grand cœur. Et je me réjouis de vous retrouver, Céan. Récupérer son bien. Le voici maintenant qui courbit ses armes pour porter l'estocade finale. Soyez le bienvenu, mon ami. Voici un vin clairet qui va vous réjouir l'âme. Buvez.
Racontez-moi un peu ce que la vie vous a réservé depuis ce fameux soir. On m'a dit que vous êtes de retour avec des trésors. Oui, en fait, non. Je n'ai que pour l'instant que peu de choses. Quelques fûts pour à peine un millier de florins. Mais dès demain, j'attends le solde de la livraison. 20 tonneaux d'huile, la plus fine, et un autre produit dont je ne veux pas trop parler ici. Bref, si tout se passe comme prévu, je suis un homme sans souci du lendemain. Oh, de quoi vous faire une nouvelle vie. Buvez, mon ami. Nous sommes si peu de temps sur cette terre qu'il serait dommage de ne pas rêver de folie. Les promesses de paradis paraissent souvent bien lointaines. Oui, vous avez raison. Buvons et rêvons à notre bonheur qui fut si bref. Une voix appelle de l'intérieur, de l'extérieur. Maître, maître, c'est de la plus grande urgence. Oh mon Dieu! Quelqu'un m'a suivi. Est-ce mes gens qui m'espionnent? J'en rage. Calmez-vous, cela semble de la plus haute importance. Allez ouvrir. Vous n'avez pas honte d'être chez une femme de bien. Oh, les lardes! Oh, les vauriens, les scélérats! Mais que se passe-t-il? Des brigands retiennent ma livraison. Ils n'ont pas conscience de sa valeur. Mais ils me réclament 1000 florins de rançon pour le petit jour. Calmez-vous! Et je n'ai que la moitié de la somme sur moi, celle que vous m'avez rendue, et... Il va prendre beaucoup trop de temps pour que me l'envoie l'autre moitié depuis Bruges. Oh, mais, messire, vous m'avez sauvé en premier. C'est à moi de vous porter secours. Voici une bourse avec 500 florins. Ajoutez au vôtre, cela fait la somme demandée. Allez voir ces bandits. Et je garde votre bien et revenez vite que nous puissions faire fortune. Son imbécile de marchand. Puis, un doute la prend. Elle court à l'entrepôt, ouvre les fûts, en guise d'huile fine, elle y trouve de l'eau, et en guise de produits précieux, de l'étoupe pour allumer le feu. Elle retourne à la taverne en rage. Aubergiste, qu'on me serve du vin. La pilule est amère. De reine des maricocus, je deviens reine des gourdes. Ah, vous, les femmes finaudes, et vous, les hommes qui vous croyez malins, malheur à vous si un jour vous faites affaire avec un brugeois. Mieux vaut être borgne. Par le sang de Dieu, est-ce qu'il arrive, ce vin ?